Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2016, non pour la suite de la compétition de la Ligue 1 avec l'équipe du LOSC, mais pour un match d'exhibition qu'on m'a demandé en commentaire hier. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, match d'exhibition, nous allons prendre l'UEFA Champions League. Et nous allons faire un super match. Alors, nous allons jouer en extérieur. Et nous allons prendre. Nous allons jouer contre le Paris Saint-Germain. Alors, c'est un abonné, je pense, qui m'a demandé de faire ce match. Donc, on va le faire maintenant. Alors, championnat anglais. Par contre, je suis désolé à mon ami, mais Chelsea, bon, je prends l'équipe de Chelsea, mais tu vois marqué London FC, c'est normal. C'est parce que PES ben, n'a pas eu le droit de mettre, oh, je sais pas quoi. Ils ont pas mis le vrai nom de l'équipe, en fait. Je trouve ça dommage, d'ailleurs. Donc, nous allons voir les maillots, parce que moi, j'aime pas trop jouer en jaune. Ok. Au pire, t'inquiète pas, le match, je le referai avec FIFA, parce que là, avec FIFA 16, là, je vais le faire ah, pas la va-vite, mais hein. Voilà. On va jouer en normal et on va lancer tout de suite le coup d'envoi. Donc, c'est un petit match qu'on va faire. Comme ça, hein, il va faire du 5 minutes la première période et 5 minutes la seconde. Donc, pardon, désolé. À bientôt, en faisant une vidéo, je vais dégueuler sur mon clavier et sur ma Xbox. LOL. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton, je suis ravi de retrouver Darren Tulette pour commenter cette rencontre. Alors, Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. ils auraient pu mettre vraiment le vrai nom et les vrais. Bon, voilà quoi. Le stade Le vrai nom de entier l'équipe. vibre au son de l'hymne de l'UEFA Champions League. Oui! J'espère qu'on va gagner ce match. J'espère qu'on va mettre une branlée au Paris Saint-Germain. Ah, j'espère qu'on va casser du Ibrahimovic dans ce match. Qui va être, j'espère, pour moi et pour vous qui regardez, chers amis, un spectacle inoubliable. Bon, je m'en vanne un peu, je sais, c'est qu'un jeu. Mais voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'il est moche avec son gros nez. Ah là là! Et sa couille derrière la tête là. Ah, il n'y a pas Donc ma les joueurs couille. qui vont être alignés. Il n'y a pas Matuidi. Donc, bon, ben voilà. Il y a Verratti, Raviot, Cavani, Di Maria. Putain, ils mettent les trois meilleurs, les trois buteurs. Voilà. Nous, on a Milian, Costa, mais il va pas aussi vite. Begovic en gardien, Zuma, Ramirez. Après, du Costa, mais je sais plus. Voilà. De toute façon, ce match, je le ferai sur FIFA, bah là, je le fais sur PES, mais je le ferai également aussi sur FIFA 16. Je me suis trompé de touche. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Ce sera peut-être un défenseur. Et pourquoi pas Thiago Silva? Ah, C'est mais l'un des tout meilleurs défenseurs du monde. arrêtez de Je suis très parier propre toujours et sur plutôt solide lui. avec ça. Ah oui, pourquoi pas? Je pensais à un attaquant, mais ça pourrait tout aussi bien être un défenseur. Ouais. Oh, Ibrahimovic. Hazard. Voici Diego Costa. On le contre, l'arme fatale. Il peut en profiter. Oh, c'est Voilà! enfin. Oh! 1-0 pour le London FC Chelsea! Qualification, ce but, il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. Parfait. Alors, moi, vous voyez, je joue sur Xbox One. Et moi, ce qui me fait rire, les tableaux publicitaires. C'est un jeu Xbox One que j'ai. Et ils font de la pub pour la PS4. Ma frère m'a parlé de
de sponsorisation et tout. Donc c'est pour ça que voilà. Regardez, franchement, tac, tac, hop, et 1-0 pour moi, déjà au tableau d'affichage. C'est vraiment génial. Alors, allons-y. Eh bien, on n'aura pas attendu longtemps pour assister à l'ouverture du score. Oh là là là, de... Marco Verratti. La passe est précise. Ah là, tu m'as piqué le ballon. Thiago Motta. Anderville. Marco Verratti. Voilà, un faute. Bon, intéressant. Faute. Ouais, ouais, j'ai fait une faute. Je sais, vraiment désolé, mon pote. Ah, franchement, désolé. Non, non, ouais, tout va bien, tout va bien. Voilà. Marquinhos. Vanderbilt. Thiago Motta. Allez, 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 allez. La passe dans la profondeur. Voilà une bonne occasion de contre. Quelle inspiration! Oh merde, il m'a piqué la balle. C'est en réussite parce que là c'était chaud. Ouh là 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 là, allez. Willian. Cavani. Kurosawa. Le voilà servi. Il peut frapper. Oh, et but. Oh 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 oh. But pour l'Olympique de Marseille. Non, je rigole. But pour le London FC. Chelsea encore une fois. Eh oui, bon, prochain but, je vais dire Chelsea seulement. Et vous inquiétez pas, je ne suis pas trompé d'équipe, hein. En croyant que c'est Chelsea, c'est bien Chelsea. Sauf que ils l'ont pas appelé Chelsea dans le jeu, ils ont appelé le nom de l'équipe London FC. J'ai regardé sur internet pour être sûr que c'était. Parce que même le logo, ils ont pas mis le même. Ça passe vite, hein. 2-0. Le match 2-0. Est ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir le défendre leur avance maintenant. Diego Costa qui pourrait bien nous gratifier d'un triplé dans ce match. C'est vrai, d'autant qu'il lui reste encore pas mal de temps. Voilà, tac. Et hop là. Alors on reprend la balle. Bazar. Oh, le contre, l'arme non, fatale. Thiago Silva. Thiago Motta. Je pense qu'on va toucher Paris fait, aujourd'hui. Oh, voici Hazard. Marco Verratti. Ibrahimovic. Marco Verratti. Non, il n'y a pas faute. Arrêtez de gueuler comme ça, le public, s'il vous plaît. Terry. Terry, oh. Oh, Ibrahimovic. Allez, il faut mettre le pied sur le ballon. Le coup de sifflet, c'est la fin. C'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir. Les entraîneurs. Voilà, oui. Exactement. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Le Paris Saint-Germain, 67% de possession, hein, quand même. Mais moi, 2 tirs, 2 buts. Alors, nous allons continuer tout de suite la seconde période. Nous n'allons pas faire de changement ni rien. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Zuma, une très longue passe. Voici Diego Costa. Va-t-il en profiter? Ah, trop fort. C'est trop long, dommage. Ouais, trop long. Bah, c'est bon, j'ai compris. Hein. Bon. Et donne-moi la balle. Il cherche un coéquipier. Un ballon dégagé, très loin. La reprise. Et la puissance y était, mais pas la précision. Ah, c'est carrément pas. Là, je me suis cru un peu au rugby, là. J'avoue, hein. C'est très, très compliqué. Marco Verratti.
Laissez un commentaire, vous pouvez me dire également qu'est-ce que vous voudriez voir comme match. Dites-moi en commentaire aussi quelle équipe vous voulez que je prenne. Et puis bah, ce sera un plaisir de jouer, de faire ce match. Pour moi, il n'y a aucun problème, vous savez très bien maintenant. Hein, vous faites comme un match 51, lui il m'a dit hier. Voilà, fais un match au PES 2016, PSG Chelsea. Les proches Chelsea. Bon bah c'est ce que j'ai fait. Et là, je pense que je ne vais pas le décevoir. Parce que j'ai encore pas marqué un but. J'allais dire j'ai marqué un but, mais non. Quelle inspiration, repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Donc oui, en commentaire. Dites-moi quel match vous voudriez voir et quelle équipe vous voudriez que je prenne. Et puis, pour moi, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez aussi laisser un petit like ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à venir vous abonner. C'est bien de conserver la balle, mais il faudrait penser à attaquer, messieurs. Pas facile de conserver le ballon. Surtout que là, il joue contre une très grande équipe. Coéquipier. Thiago Motta. Ibrahimovic. Terry cherche la verticalité. Oh putain. Cavani. Il allonge. Voici Diego Costa. Il n'arrive pas à se rapprocher. Cavani. Il joue dans l'espace. Allez, allez. De toute façon, j'ai gagné le match. Il est bien placé. Donc, s'il vient à marquer un but, je m'en bats les couilles. Terry et ce magnifique tacle glissé. Un petit dernier pour notre abonné. Allez. Ça peut partir en contre. Il progresse encore. Bon, je suis désolé pour l'abonné, mais il n'y aura que 2-0 au tableau d'affichage. Et je suis fier de moi, car j'ai gagné ce match. Parce qu'ils avaient plus envie, parce qu'ils ont fait les bons choix et surtout parce qu'ils ont plus de talent. Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Voilà, et oui, mais bon. Faut-il avoir les joueurs pour le faire. Ah, exactement. C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude. A bientôt, bonsoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Moi, bah écoutez, vu que j'ai fini cette vidéo sur une victoire, bah j'ai bien aimé quoi. Moi, il n'y a pas de problème. Donc, bah si vous voulez, vous pouvez laisser un petit like ou un petit commentaire et venir vous abonner si vous le voulez bien. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.